sortais d'une, d'une belle préparation, où ça s'était vraiment très bien passé. On commençait déjà à créer certains automatismes, même si voilà, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a hâte de rentrer dans la compétition. Les joueurs étaient vraiment impatients. Et puis de notre côté, on voulait vraiment voir les prémices que nous avions vues lors des matchs amicaux. Jeune, bleu, jeune, blanc. On a bien débuté ce match avec tout de suite des situations et on a malheureusement, par l'intermédiaire de VP, on était en manque de réussite et les Palois nous ont sanctionnés très rapidement en deux minutes sur des manques de vigilance défensif de notre part. Premier match de championnat, c'est pas facile dans la tête, mais malgré tout, il y avait quand même du positif. C'est pas facile de dire ça après un 3-0, mais il y a eu énormément de situations. On a eu un manque de réussite, il fallait être assez lucide pour le dire. Et au final, c'était peut-être le bon moment de prendre une petite gifle et repartir au travail. Mais sans oublier qu'il y avait quand même des belles choses. Et c'est sûr que ce côté un peu manque de réussite, il était présent. Et on a essayé de vite réagir sur le match qui a suivi. Il
fallait réagir tout de suite derrière une défaite. C'est toujours important de réagir. C'est ce que j'avais demandé à mes joueurs. Et on ne pouvait s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc c'était vraiment une revanche que par rapport à nous-mêmes. On savait qu'on allait rencontrer une équipe qui était sur la dynamique de sa montée. On sait que quand on rencontre les équipes qui viennent de monter dans les premières semaines, c'est toujours très 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 compliqué, difficile, parce qu'ils sont sur leur dynamique, leur enthousiasme. Et en fin de compte, ça s'est avéré juste. C'est ce soir qu'on lance notre saison, ok? Devant notre public, ça fait un mois et demi qu'ils attendent ça, de revenir au stade et de nous pousser. On s'est raté lundi dernier, c'est pas grave, c'est fait. Maintenant, comment on gagne ce match, les gars? D'entrée, on leur saute à leur gorge. Le premier quart d'heure, ils doivent pas respirer. Il faut qu'ils sachent que ça va être dur pendant 90 minutes. Ils ont aucun espoir. Ok, les mecs, on s'encourage et ça va venir au fur et à mesure. On emmène le public avec nous et tout va bien se passer, les gars. Ayez confiance, si on fait toutes les choses ensemble, tout va bien se passer. Ok? Allez. De retrouver le Matmut, nos supporters, l'ambiance du Matmut. Donc on voulait vraiment de suite gagner ce premier match à domicile. Le premier match à domicile, on sait à quel point c'est important d'être le plus solide possible chez soi, devant nos supporters. Fait un match assez cohérent dans l'ensemble. On a eu un passage à vide pendant une vingtaine de minutes en deuxième période qui a failli frôler la correctionnelle. Et puis ensuite on a très très bien terminé avec des entrants qui ont tout de suite apporté quelque chose. On sait que maintenant les matchs durent très longtemps. Donc on était vraiment satisfait et rassuré aussi que tout le groupe ait réagi après la défaite de Pau. Et j'ai trouvé que l'équipe avait fait preuve aussi de personnalité pour aller chercher ce résultat à la toute dernière minute de la rencontre. Donc ça prouve que ce groupe déjà a du caractère. Ça a été compliqué, mais au final, ce but de Yo à la dernière minute nous a fait un bien de fou et on a pu créer ce qu'on a commencé à créer avec les supporters l'année dernière. Et ça va être une force, on va avoir besoin d'eux. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé sur cette deuxième journée chez nous. Donc c'était un match pas facile, mais qui a fait du bien à tout le monde. Bravo aux rentrants, c'est comme ça qu'on va faire une équipe, c'est comme ça qu'on va faire un groupe. Les entrants ont vraiment amené quelque chose, on l'a vu, on a eu du mal en début de deuxième mi-temps. Et ensuite les entrants, ils nous ont amené de la maîtrise, ils nous ont amené autre chose. Et ça c'est intéressant, d'accord? Tout le groupe a participé à cette victoire, donc vraiment bravo. Vous êtes allés la chercher au forceps, mais elle est belle, elle est bonne, et on va la savourer ensemble. Ok les gars, allez tout le monde au milieu. Oui, on était conscient du contexte, on savait que ça allait être pas facile.
Déjà que les matchs de Ligue 2, c'est pas facile, il y a beaucoup d'engagement et encore plus chez un adversaire de la sorte. C'est toujours difficile d'aller faire un résultat en Corse, qui plus est face à une équipe qui a un mois joué contre Marseille, son dernier match en Ligue 1. Elle avait toute l'expérience de la Ligue 1 avec 7-8 joueurs du 11 de départ. Donc on savait que ça allait être un match difficile. Engagé, il y avait une adversité très compliquée. Il y a eu malheureusement des petits souvenirs mauvais l'année dernière qui sont ressortis avec cet arrêt au bout d'un quart d'heure. Solide les gars, solidaires les uns pour les autres, ok? On s'est commencé, hein. Vital l'a dit, il a complètement raison. Ils vont vouloir parler, ils vont vouloir rentrer dans la tête de l'arbitre. Chaque duel, tout le stade va se lever. Ok, on reste sur notre jeu. Et on termine avec la vivacité et 4-5 mètres sur notre pour monter la vitesse. Ok, 10 minutes total. Quand on est revenu sur la pelouse, il a fallu on se douter. Tout de suite répondre présent face aux Ajacciens parce qu'ils étaient très remontés par rapport à leur début de match. Ensuite, même si on a eu la maîtrise, on a manqué de situations très franches pour pouvoir l'emporter, sachant que le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, elles ont été très difficiles parce que haché, avec peu de continuité dans le jeu. Mais je trouve que l'ensemble du groupe a bien géré justement. Ça aurait pu un peu partir en n'importe quoi et on est resté lucide et c'était bien. Le plus important c'était de valoriser ce match nul contre Amiens. L'objectif c'était de faire notre deuxième victoire à domicile. Salut, ça va ? Ça va ? Il avait fallu travailler à nouveau sur notre bloc équipe défensif, ce qu'on a fait, ce qui nous a permis de ramener deux clean sheets entre Concarneau et puis Ajaccio. On a abordé ce match face aux leaders dans de très bonnes conditions, mais il fallait valoriser ce point pris par une victoire.
une sorte de continuité encore une fois. Vraiment depuis le match de Pau, c'est ce qui s'installe et il y a de l'évolution. Et je trouve que l'adaptation des nouveaux joueurs se fait assez rapidement et il y a des automatismes qui commencent à se créer, c'est intéressant. Par rapport aux autres matchs, on a eu plus d'efficacité offensive. On a bien vu qu'à partir du moment où on a cette efficacité, après c'est plus facile à gérer. Ou Gaëtan, ils avaient eu des opportunités lors des trois premières journées. Je suis vraiment content qu'ils aient trouvé le chemin des filets ce week-end parce qu'on sait que ce sont des bons joueurs et on sait que l'efficacité est importante. Encore une fois, je me répète, mais il y a de la continuité. On arrive à mettre en place, à déstabiliser quasiment toutes les équipes qu'on a jouées pour l'instant. Et là, c'était un bon moment de montrer qu'on avait bien bossé en prépa. On a pu mettre en place, être efficace, ce qui nous manquait un peu depuis le début de saison. Et c'est un match quand même dans l'ensemble plutôt complet. Donc c'est très bien. First off, a lot of goals that you scored here, a lot of goals. On a gagné ce match parce qu'on a été sauvé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à partir du moment où vous vous êtes lâché, d'accord, à partir du moment où vous avez mis de la spontanéité, et vous êtes récompensé parce que techniquement, vous avez la valeur. Techniquement, vous avez la valeur. Donc, il faut se lâcher comme ça, d'accord. Et il faut oser. L'objectif, il est atteint. On voulait taper le leader, on voulait y mettre la première défaite. Et nous, on voulait remonter au classement. Bravo à tout le monde, félicitations à tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés.